lela ndanga na nkunda na leli mobimba nange presente babilembwa bolamu Yesu wa mimi na leli kimya koma moninga nanga tami solezo mona nate na kongo na zela kina asiste na lapidation zuka kitema oh surpris Jésus m'a surpris agréablement surpris Jésus m'a surpris Azaboli moi mon thème Nangai Alongoli soni Nangai Yamanangai. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, Dieu fait grâce. Alors aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo de Faye de Manioc qui est les Pundu Kasakasa, je pense. Oui, cassava. En fait, j'en ai les deux poireaux, piment, oignon ciboulette, arachide et sel. On en a aussi notre huile de palme. Sans l'huile de palme, moi je trouve que les Pundu n'est pas assez bonne pour moi. Et on en a aussi un sel, boule de Pundu. Et notre poisson fumé qu'on va mettre dans les Pundu. Donc aujourd'hui, les Pundu vont être tellement bons. Et c'était vraiment délicieux, je vous dis. Eh, le goût de ça. Là, je vais mettre les Pundu au feu. Après, je vais rester couper tous les ingrédients, préparer oui, les ingrédients, laver bien mes poissons pour les mettre dans. Il y aura des moments que je viendrai maintenant rajouter. Toutes les poissons dans les Pundu. Donc restez suivre au rythme de la musique, on va se retrouver après. Oh,
Les bundus semblaient un peu bien cuits, pas vraiment profondeur, mais semblaient au moins bien dégelés, bien cuits. Alors j'ai rajouté les poireaux, oignons, j'ai mis aussi les poissons, un peu des arachides parce que je voulais pas mettre assez beaucoup des arachides. J'ai juste mis un petit peu et j'ai tourné. Par la suite, il viendra mettre l'huile de palme et après. Mettre l'huile de palme et on va les couvrir. On va laisser seulement là-bas. Oh, j'ai oublié aussi, j'avais ajouté un petit peu l'huile végétable avec un peu l'huile de palme. Donc, j'ai mélangé tout ensemble. Et après, je vais juste laisser comme ça et ça va cuire. Et je vous laisse regarder au rythme de la musique et on va se retrouver encore après. Pas de foufou, t'as pas l'énergie, donc c'est un peu ça. Alors elle riait tout le temps et dit ah, ça va pas être très bon. Bon, vous verrez c'est quoi la suite par après. Donc là, je m'apprêtais à faire la viande qu'on va manger avec ça à côté. Alors les moussouni, ça va pas manquer quoi. Hein? Je mets les poivres, je mets les garlics. Et je mets aussi les piments, c'est tout ce que j'ai mis avec un peu de sel. Mais par contre, j'avais lavé avec le vinaigre, c'est là que j'avais trempé dans l'eau chaude. Et avec un petit peu d'huile, un petit peu de sel. Après, je mets dans mon plateau et je mets dans mon four. Donc, alors, c'est un peu ça. Alors, on se retrouve par après. Regardez, déjà notre pundu est prêt, donc c'est vraiment prêt, c'est bien cuit. On avait mis aussi des piments là-dedans, donc pas trop, il n'y a pas trop d'eau, il n'y a pas trop des arachides, donc normal, simple et délicieux. Quand tu manges, tu goûtes même la saveur des choses que tu manges, pas seulement manger, quand tu goûtes seulement les épices et les qui. Tu vois, quand il y a trop des épices qui est trop dans la nourriture aussi, ce n'est plus bon. Tu ne sens plus la saveur de la nourriture. Donc, c'est un peu ça. Comme dans ma routine, on dit toujours, ce qui commence bien, finit très bien par la bonté de l'Éternel. Alors, cette vidéo tient sa fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir partagé, d'avoir liké, commenté et partagé. Vos commentaires me font tellement du bien. Vos remarques me font tellement du bien. Ça me pousse plus à m'améliorer. Merci pour mes nouveaux abonnés. Que Dieu vous bénisse. Venez encore beaucoup, 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 beaucoup. On puisse travailler et évoluer ensemble. Que Dieu
vous bénisse. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Alors, à la prochaine. Ouh, le goût de ça. Aïe, 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 c'était vraiment délicieux. Bye! Jésus m'a surpris. Azaboli, moi, mon témoin.